Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais avec vous un autre texte, d'accord, pour apprendre bien la lecture, d'accord? Donc, le texte d'aujourd'hui, le titre c'est Maison de vacances. Maison de vacances. Marcel Pagnol, auteur marseillais, c'est-à-dire l'auteur, lequel le texte, son prénom Marcel et son nom Pagnol, auteur marseillais, se rappelle ses souvenirs d'enfance, c'est-à-dire des souvenirs, comment décrète en arabe d'enfance, décrète à tofola. Vous suivez avec moi le texte. Alors commencèrent les plus beau jour de ma vie. La maison s'appelait la Bastide Neuve, mais elle était neuve depuis bien longtemps. C'était une ancienne ferme en ruine, restaurée 30 ans plus tôt. Plus tôt par un monsieur de la ville qui vendait des toiles de tente, des serpillières et des balais. Mais la maison avait l'air d'une villa. Et il y avait l'eau à la pile, c'est-à-dire que l'audacieux marchand de balais avait fait construire une grande citerne accolée au dos du bâtiment, aussi large et presque aussi haute que lui. C'est une hache muette, d'accord? Haute que lui, il suffisait. Donc, S ici, ça prononce Z. Pourquoi ça prononce Z? Parce qu'on a une voyelle avant et une voyelle après, d'accord? Il y a I avant S et on a un après S. Donc, ça prononce Z. Suffisait d'ouvrir un robinet de cuivre placé au-dessus de l'évier pour voir couler une eau limpide et fraîche. Donc, je lis seulement le premier paragraphe. Je répète et vous suivez avec moi. Alors, commencèrent les plus beaux. EAU, ça prononce O avec B, beau, beau jour. De ma vie. La maison s'appelait la Bastide Neuve. Donc, la maison, la Bastide Neuve. Mais elle était neuve depuis bien longtemps. C'était une ancienne ferme en ruine. Donc, à de la maison. قضى فيها لوتور الكاتب ديالنا الطفوله ديالو هي واحد لا ميزون يعني قديمه سي اون اونسيان فيرم يعني مزرعه ريستوري 30 ans plus tôt يعني 30 عام 30 ans يعني 30 عام وهي كاينه بار ان مسيو دو لا فيل يعني اللي بنا اللي صاوبها هو واحد لو مسيو من المدينه رجل من المدينه qui vendait des toiles de tente. Des toiles de tente, huma donc les tentes, donc les khaymat li tnstamlouhom fi yani mi tmchiou ljbal ou la mi tmchiou la plage, yani tkounou wahed les tentes sgharin, hadou huma yani tibiouhom des toiles de tente, yani ghetonat sghar kima tnqoulou bdarija. Des serpillières, d'accord, yani mamasih li tnstamlouhom lmash. Et des balais, les balais huma yani el miknasat. Mais la maison avait l'air d'une villa, yani la maison li houa fiha tatahess bannak yani jalis f villa, yani ma jalsch f dar f mzraa adiya. Et il y avait l'eau à la pile, c'est-à-dire que l'audacieux, donc s avec i e u tatqra ye, on ne dit pas le da si E, c'est avec I, si, E, U, ça prononce E, donc on ne dit pas l'audacieux,
اجي ثقيله l'audacieux marchand de balai avait fait construire une grande citerne donc دايرين واحد لا سيترن كبيره على ود الماء داكور يعني لو à la pile يعني بالبطاريه داكور يعني مجهزه بحال في فيلا يعني ماشي دار في مزرعه عاديه كما قلت يعني من قبل aussi large et presque aussi haute que lui il suffisait d'ouvrir donc suffisait gnana s un troha z parce qu'on a une voyelle avant et une voyelle après d'accord il suffisait يعني يكفي اننا نحلو الروبيني وينزل الماء عادي يعني ماشي في دار مزرعه يعني في عروبيه كيما غنقولوا يعني في لا كومباني يعني غنستعملوا البير ولا غنمشيو نجيبو من بلاصه اخرى وانما يكفي عين الروبين دونك il suffisait d'ouvrir un robinet de cuivre يعني الروبيني مصاوب ديال النحاس placé au-dessus de l'évier pour voir couler une eau limpide et fraîche يعني هذا الروبيني هذا يعني تينزل منه داك الماء يعني صافي ومنعش يعني بحال الدار يعني في المدينه كما قلت لكم يعني ما تقولش بان هاد لا ميزون هادي يعني كما تشوفوا راه ماشي يعني في مزرعه في بلاصه يعني في الباديه يعني كما تنقولوا في لا كومبان يعني ما تتحكمش على تقول انها راه فيلا يعني في وسط المدينه في سونتر فيل داكور دونك جو كونتينيو افيك فو لو تيكست dans une autre sur une autre vidéo pardon sur une autre vidéo n'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne et fait j'aime d'accord pour recevoir toujours mes nouvelles vidéos merci.